Bonjour, c'est Lucie. Et moi, c'est Manon. On va vous présenter une critique du livre qui s'appelle Culotté, la présentation de Pénélope Bageux. Pénélope Bageux est née le 22 janvier 1982. Elle est dessinatrice de bande dessinée française. Elle s'est fait connaître grâce à son blog, Ma vie est tout à fait fascinante, où elle expose des instants de sa vie quotidienne. En septembre 2008, elle publie le premier volume de Joséphine, une bande dessinée dont elle assure les textes et les illustrations. C'est aussi le cas pour sa bande dessinée Culottée, composée de 2 tomes, le premier paru en septembre 2016 et le deuxième en janvier 2017. Chaque tome de la bande dessinée évoque la vie d'une quinzaine de jeunes femmes que tout oppose sauf la volonté de décider par elles-mêmes de leur propre destin. La première de couverture de chaque tome du livre représente 9 femmes dont les portraits se différencient selon l'époque et la société dans laquelle elles vivaient. Chaque histoire est elle-même constituée de 3 à 6 planches s'achevant sur une illustration en double page. Les chapitres sont courts et faciles à comprendre. À chaque début d'histoire, il y a un portrait du personnage en forme de camé indiquant sa date de naissance et de décès. Les planches proposent des vignettes encadrées ou par sous le fond blanc avec seulement 2 ou 3 couleurs dont la dominante est annoncée par la couleur du sous-titre. Exemple dans Las Mariposa, le sous-titre Sœur Rebelle est bleu et c'est la couleur dominante de l'histoire. La double page finale de chaque histoire est colorée et propose un moment fort de la vie du personnage. J'ai bien aimé l'histoire de Las Mariposa, Sœur Rebelle, car elle s'entraîne dans la souffrance et la tyrannie pour lutter contre une dictature en républicain dominicaine. J'ai apprécié plus ou moins toutes les histoires. Elles sont toutes différentes mais distrayantes à lire. J'ai bien aimé l'histoire de Nixar, reine de Nango et de Mantaba, car la position de la femme est puissante, elle ne se décourage pas face à l'adversité et multiplie ses conquêtes grâce à ses divers stratagèmes. Je n'ai pas aimé l'histoire de Margaret Hamilton, actrice terrifiante, car elle juge trop sur l'apparence qu'on doit adopter pour se faire accepter et obtenir une place au sein de la société. Nous avons trouvé la BD très intéressante par son thème originalement annoncé par le titre « Culotté ». Ce titre évoque bien le culot de ces femmes qui ont osé s'émanciper. Il parle aussi de leur volonté de porter la culotte, porter un vêtement ou prendre une place jusqu'alors dévolue aux hommes. Cette BD nous montre que le combat mené par les femmes ne date pas d'hier. Le plus ancien portrait date de 350 ans avant Jésus-Christ. Les divers préjugés qu'ont subi les femmes à travers le temps sont bien énoncés mais avec une pointe d'humour et un ton souvent léger, ce qui fait bien passer le message. Si les femmes ne sont pas égales des hommes de par leur constitution physique, depuis toujours elles réclament une égalité de droit. Cette quête d'égalité est bien traduite dans ce roman graphique à travers des portraits de femmes très différentes les unes et des autres. Ayant vécu à diverses époques, leur quête est juste et on a envie de les remercier. En hommage à celles qui ont fait avancer la cause féminine par leurs actes, leurs combats et leur choix de vivre, nous devons de poursuivre. Il faut maintenir les droits que l'on a obtenus et les faire progresser encore et toujours. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.